Bonjour, bienvenue sur le plateau d'ABC Doc. Euh, je suis Irat Sobani gastroentérologue et oncologue digestif. Je dirige le service des pathologies de l'hôpital Henri Mondor qui fait partie de l'assistance publique hôpitaux de Paris. En compagnie de Isabelle Baumgartner, ma collègue qui travaille dans le même hôpital dans le service d'oncologie digestive et Francesco Brunetti, chirurgien digestif travaillant dans le même hôpital. Nous avons euh, le privilège d'accueillir monsieur Bouchiki, un patient qui a bien voulu se prêter à cet exercice pour euh, que nous parlions ensemble du cancer du côlon, en fait, du, de sa découverte, jusqu'au son traitement, et puis par la suite la surveillance et le suivi de malade. Euh, Racontez-moi, quel âge vous avez, Monsieur Bouchiki? J'ai 68 ans. 68 ans. Vous avez été malade jusqu'à maintenant? Euh... Ben, si j'ai eu un problème avec, euh, en 2011, bon, avec un cancer. Avant 2011, Donc, vous n'aviez eu aucune maladie. Donc euh, votre oh, histoire commence en 2011. Voilà, mon histoire commence bon, pratiquement en 2010, où euh, j'ai eu quelques symptômes, bon, mais qu'on euh, qu n'a pas pris en considération, ni moi, les médecins que j'avais consultés, et qui étaient des mh, difficultés d'aller à la selle, quelques saignements. Qui, était, qui existait enfin dans les selles, mais bon ça nous a pas alarmé particulièrement jusqu'en 2011 où bon je me portais bien et pour dire que j'allais même faire du sport et j'ai eu de très très fortes douleurs au niveau de l'abdomen et à tel point que je pouvais plus bouger je suis resté un moment et puis on m'a transporté à l'hôpital. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé Donc, en urgence, vous avez été à l'hôpital et qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital En urgence, euh, bon, j'ai eu euh, une première, euh, enfin, un premier examen et qui, euh, où le médecin se doutait de quelque chose. Et là, on m'a fait une, euh, une IRM et une euh, coloscopie. Donc, vous avez eu un scanner sans doute euh, abdominal. Oui. Et une IRM, une résonance magnétique, et ensuite une coloscopie. Une coloscopie. Cette euh, coloscopie bon, euh, a montré que j'avais une, une occlusion au niveau de, euh, du colon Et a une occlusion très importante, euh, puisqu'ils euh, n'ont pas pu aller au-delà de cet endroit-là pour euh, voir s'il y, y avait autre chose plus loin. Et là, bon, le lendemain, on, a, on a décidé de, de m'opérer parce que bon, il y avait ah, pas On va rêves. arriver à l'opération, mais vous avez parlé de coloscopie pour faire une coloscopie. Les malades ont besoin de prendre une purge, donc vous avez dû avoir des difficultés pour prendre cette purge si vous étiez en occlusion. Donc sans doute, on a fait la tentative de coloscopie sans la préparation, sans la purge. Je n'ai aucune préparation. C'est une situation euh, en fait d'urgence, où on n'a même pas la possibilité de faire correctement l'examen. L'examen coloscopique nécessite la prise de 4 litres de purge. Oui. Et donc, sans doute, face à la situation d'urgence, et parce que l'imagerie, le scanner ou l'IRM montrait une suspicion d'occlusion au niveau intestinal, on oui. a voulu aller voir et cela a dû confirmer qu'il existait une tumeur. Et à ce moment-là, on vous opère en urgence. Voilà. Euh, on m'a opéré, euh, bon, quelques jours, deux jours plus tard, euh, j'ai été opéré. On m'a opéré de, par euh, silloscopie. D'accord. Donc, euh, bon, mais bon, il y a eu quelques complications par la suite. Euh, quelques jours après, on a. Enfin, on m'a enlevé cette tumeur. Et vous étiez content jours... parce que la chirurgie a pu emporter la tumeur. Oui. Mais seulement quelques jours plus tard, il a fallu vous réopérer, c'est ça On m'a réopéré parce qu'il y avait un début d'infection, il y avait des fuites au niveau de, je veux dire, de cette. Studio. La nasse de brosse, oui. Voilà. Et donc, on m'a fait une opération ouverte. Et là, on a ressuturé, on a nettoyé et on m'a fait une. Enfin, on m'a posé une poche. On vous a posé une question. On va revenir après à la suite. Je me dirige vers le euh, docteur Brunetti. Comment, comment se fait-il L'opérer en urgence, d'abord, est-ce que ça arrive Est-ce ça arrive dans quelle proportion des cas euh, Et ensuite, pourquoi on a dû le réopérer oui, Effectivement, le, le cas de M. Bouchiki n'est pas si rare que ça, parce que un patient sur dix, celui chez qui on fait le diagnostic du cancer du côlon, il découvre un, un stade où il est responsable d'une occlusion intestinale. Et la prise en charge de, du cancer du côlon dans cette... Euh, Période d'occlusion est toujours un peu plus difficile, parce qu'elle pose des problèmes qui sont liés au patient, à l'âge, à son terrain, et à, à différentes choses qu'il faut prendre en considération. Il était en lui, bon état, général, un bon état général. Mais on sait que l'occlusion fragilise le patient inévitablement, parce que probablement monsieur Bouchiki, même s'il ne se rappelle plus, il avait probablement commencé un peu à maigrir à partir du moment où il avait commencé à manifester ses symptômes, même s'il ne donnait pas beaucoup d'importance, ni lui, ni les médecins qu'il avait consultés. Et on sait que le patient qui arrive à, à, à subir une intervention en urgence pour un cancer du côlon en occlusion, ce qui était son cas, est un patient qui fait un, un peu plus de complications aussi en post-opératoire, que ce soit des complications chirurgicales ou des complications médicales. Donc a fortiori si ces patients ont d'autres comorbidités. Exact, exactement. Donc M. Bouchikil n'avait aucun problème de santé. Euh, il était encore plus jeune que ce qu'il est actuellement. Euh, et donc en post-opératoire, il a fait une complication qui a qui a concerné la suture, l'anastomose qui a été faite entre les deux morceaux d'intestin, ce qui est euh, plus fréquent justement chez les patients qui ont été opérés en urgence. Et donc il a fallu le réopérer, euh, et comme il dit lui réparer la suture qui avait été faite, surtout y mettre une poche, une stomie, un anus artificiel temporaire bien sûr, parce que euh, il fallait surtout qu'il se remette rapidement. De cette période post-opératoire pour éventuellement, éventuellement pouvoir bénéficier, si c'était le cas ou s'il fallait, euh, d'une chimiothérapie euh, dont, après, euh, je pense que Isabelle va, va nous parler. Ça, on va revenir à la chimiothérapie, mais M. donc euh, une fois qu'on a réglé ce problème de complications euh, post-opératoires, euh, on vous a dit que la tumeur, euh, finalement, n'était pas localisée au côlon. On vous a dit qu'il y avait une suspicion au niveau du foie, c'est bien cela euh, lors de, enfin, des premiers examens, ils avaient découvert euh, bon, cette euh, tumeur au niveau du, du côlon et une suspicion au niveau du foie. Mais bon la priorité était euh, à lever obstacle dire, voilà, au niveau du à, à régler le problème euh, du côlon. Et là je reviens à ce que dit M Prunetti, docteur Prunetti euh, la perte de poids quand euh, j'ai pratiquement fini ma convalescence de la première, enfin de, de la première chirurgie, c'était celle de, du colon, j'avais perdu 20 kilos. C'est ça. Donc, euh, en fait, tout, tout ce parcours des symptômes avant l'occlusion mmh. intestinale et puis les complications post-opératoires faisaient que vous étiez quand même dans une situation un peu difficile. Néanmoins, vous n'avez jamais été malade, donc vous êtes typiquement un malade qu'on appelle sans comorbidité. Mmh. Et le problème n'était pas résolu, en fait, le problème du cancer, certes. Euh, on a fait face à la situation d'urgence en levant l'obstacle pour vous permettre de manger en fait et faire face à cet amaigrissement. Mais le fait est qu'il existait encore une tumeur sans doute au niveau du foie, une ou plusieurs d'ailleurs. Je me dirige vers le docteur euh, Baumgartner. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut lui proposer une chimiothérapie Est-ce qu'on aurait pu ne pas l'opérer et d'emblée commencer une chimiothérapie Comment il faut gérer Alors, en cancérologie, il y a toujours deux situations. Il y a la situation où la tumeur reste localisée au niveau de l'organe où il a commencé à, à se développer. En l'occurrence, là, c'était le colon. Et il y a effectivement la situation où la tumeur est sortie déjà de l'organe pour aller essamer dans d'autres endroits du corps. Dans le cancer du colon, le premier organe dans lequel les métastases apparaissent généralement, c'est le, le foie en particulier. Ça peut être d'autres organes. Ça peut être le poumon. Ça peut être également le péritoine. Mais c'est vrai que le foie est un site... Privilégiés entre guillemets pour le développement des, des métastases. Euh, donc, dans le bilan initial, on fait ce fameux scanner, on fait parfois effectivement des IRM pour, euh, pour faire le bilan d'extension de la maladie. Quand la maladie a été donc essaimée dans d'autres organes, la, la discussion euh, a lieu en, en réunion de concertation pluridisciplinaire avec nos collègues euh, chirurgiens, avec nos collègues euh, radiologues, et dans la plupart des cas, je ne dirais pas dans la totalité des cas, mais dans la plupart des cas, effectivement, on commence par une, une chimiothérapie. Ça, c'est vraiment l'objet de notre discussion de tous les jours euh, en staff, qui tient compte de, de beaucoup de facteurs, euh, de, 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 euh, du nombre de lésions, de leur site, euh, de leur taille. Euh, c'est en fonction de tous ces facteurs qu'on décide de, est-ce qu'on opère d'emblée ou est-ce qu'on commence en par une En l'occurrence, on ne pouvait pas ne pas l'opérer parce qu'il était en occlusion. Alors, quand je dis intervention, c'est vraiment l'intervention sur les sites euh, métastatiques. Tastatique. Dans le cas de M. Bouchiki, il y avait une lésion. C'est vrai que la question aurait pu se poser de euh, la réséquer d'emblée ou de commencer par une chimiothérapie. À l'époque, il avait été décidé de commencer par une, euh, par une chimiothérapie. Après, en matière de chimiothérapie, on a plusieurs euh, options. On a les chimiothérapies euh, euh, standards, les, les médicaments chimiques hein, qui vont euh, traiter euh, les cellules cancéreuses. Et à ces chimiothérapies, on peut associer euh, ce qu'on appelle des anticorps, des thérapies euh, ciblées, qui peuvent augmenter l'efficacité de la chimiothérapie. Et là aussi, ça fait l'objet de nos discussions en staff. On peut être amené à, à ne proposer que la chimiothérapie simple, qu'on va qualifier de simple. Ou euh, la chimiothérapie associée à ces fameux euh, anticorps pour euh, augmenter euh, l'efficacité des traitements. Ce que vous appelez la chimiothérapie simple, pour euh, le dire de façon très claire, c'est l'association en fait de deux molécules avec toujours une vitamine qu'on y associe. Mmh. Ce sont des, en fait des menus assez standardisés maintenant qu'on propose aux malades qui ont une métastase ou même parfois des malades qui n'ont pas de métastase mais la tumeur sur l'analyse histologique. Alors, ouais. peut Effectivement, euh, au-delà de cette situation où la maladie est métastatique et où on est amené à proposer une chimiothérapie, il y a une deuxième situation où on est amené à proposer une chimiothérapie. C'est le cas où la maladie, cette fois-ci, est localisée au niveau du côlon. Elle n'a pas été essaimée dans d'autres organes. Elle est localisée au niveau du côlon. Mais par contre, euh, sur l'examen de la pièce opératoire en histologie, les médecins voient que la tumeur est quand même sortie euh, de la, du côlon pour aller se mettre dans les ganglions qui sont adjacents. Euh, parce que ça, euh, M. Brunetti euh, en parlera probablement, mais euh, la, la chirurgie consiste vraiment à enlever la tumeur, mais aussi à enlever les ganglions qui sont autour, qui sont le premier relais euh, du cancer. Donc cette euh, pièce opératoire est examinée au microscope, et si seulement une cellule cancéreuse est trouvée dans un ganglion, même si c'est un ganglion parmi 35 ganglions, dans ce cas, on est amené à proposer une chimiothérapie. Euh, euh, Complémentaire. Donc là, c'est un peu différent de la situation de tout à l'heure où on proposait une chimiothérapie parce y avait des métastases en place ou une métastase en place. Là, c'est une situation où on propose une chimiothérapie complémentaire à une chirurgie qui se veut... Euh Complète et totale, mais c'est une chimiothérapie préventive finalement pour éviter la récidive de la maladie euh, cancéreuse dans six mois, dans un an, euh, dans quatre ans. Donc là, c'est une situation un peu différente. C'est ce qu'on appelle la chimiothérapie adjuvante en fait à la chirurgie. chirurgie qui arrive après la chirurgie. Dans le cas de M. Bouchiki, comme vous disiez, étant donné qu'il existait des, des images métastatiques au niveau du foie, on a décidé de lui proposer une chimiothérapie. Pour d'une part voir quelle est la sensibilité en fait de cette tumeur restante, résiduelle à la chimiothérapie, et ensuite éventuellement proposer une chirurgie. Mais au-delà de l'association de deux molécules plus une vitamine, donc il considère la chimiothérapie simple. Dans ces situations-là, on a de plus en plus tendance à rajouter une molécule. Plus supplémentaires Alors effectivement, médicaments. En, en plus de la chimie, de la chimiothérapie, on a à notre disposition ce qu'on appelle des thérapies ciblées, ce sont des anticorps des, euh, qui vont, alors en fonction de la famille d'anticorps, parce qu'on a plusieurs familles à notre disposition, qui vont soit aller attaquer le cancer, soit aller attaquer les vaisseaux qui vont irriguer le, le cancer. En tout cas, on a à notre disposition plusieurs molécules qui ont prouvé leur efficacité dans cette situation et qui vont permettre avec on l'espère en tout cas avec plus d'efficacité, euh, faire réduire la maladie ou en tout cas éviter qu'elle ne, ne grossisse et en tout cas éviter qu'elle ne dissémine. Puisque le traitement avant tout, c'est nous permettre de faire diminuer la lésion mais éviter qu'il y ait d'autres lésions ailleurs. Euh, au bout de 2-3 mois de ce traitement, quel qu'il soit et quel que on est, euh, qu est que, en fonction de ce qu'on a décidé, de toute façon, au bout de 2-3 mois, on refait une imagerie, un scanner ou une IRM, ça on en rediscute entre nous, euh, et on réévalue les, la possibilité de chirurgie. Donc au fameux staff dont je parlais tout à l'heure avec les, les mêmes confrères, on réévalue les possibilités de chirurgie pour la résection de ces métastases. Donc ces traitements qu'on ne va plus appeler chimiothérapie, on va tra appeler traitement euh, complémentaires en quelque sorte ont été menés dans le cas de M. Bouchiki. Vous avez suivi pendant combien de mois ce traitement? Oui, euh, je crois que pendant 4 mois, une fois tous les 15 jours, j'ai eu un, un, enfin une séance de chimio. Euh, et ça, ça a été décidé justement euh, suite à la biopsie qui a été faite au niveau du, du foie et qui a décelé, bon... enfin qui a confirmé l'existence de, de métastases à ce niveau-là. En effet, parfois, malgré la réponse bonne de la chimiothérapie, quand il y a un doute sur une lésion résiduelle en fait au niveau du foie, on peut être amené à le documenter par des biopsies, voir au microscope s'il reste encore des cellules résiduelles tumorales, ce qui a été le, votre cas. Et après, dans les situations de réunion de concertation pluridisciplinaire, euh, nos collègues chirurgiens ont estimé à un moment donné que voilà, on peut aller sans trop de dégâts enlever là où les masses tumorales au niveau du foie, tout en laissant du foie restant pour le malade. Expliquez-nous, docteur Brunetti, comment ça se passe dans ces cas-là Il s'agit là de notre troisième chirurgie, finalement, dans le cas de M. Exactement. De Et ce qu'il faut dire, c'est pour revenir à ce que, ce que vous disiez, ce qu Isabelle disait à propos de la, la fameuse RCP, la réunion de concertation pluridisciplinaire, c'est que je dirais que c'est là que ça se joue aussi le, le destin un peu du patient. C'est-à-dire que ce sont des réunions dans lesquelles participent plusieurs spécialistes l'anatomopathologue, le gastroentérologue, le radiologue, le chirurgien, plusieurs chirurgiens éventuellement parce que le chirurgien hépatique, celui qui s'occupe du foie et le chirurgien qui s'occupe du cancer du côlon. Éventuellement un radiothérapeute si des radiothérapies, radiothérapeute exactement, c'est l'organisation ouais. au niveau du rectum euh, et l'oncologue bien sûr, plusieurs oncologues. Et je dirais que c'est l'expertise en effet de beaucoup de ces intervenants là, en particulier par exemple même du radiologue qui va examiner euh, les imageries qui ont été faites parce qu'on peut décrire un nodule au niveau du foie, une relecture de l'imagerie, parce qu'elle est toujours faite à l'aveugle, sans tenir compte par exemple des résultats de l'imagerie qui a été faite par un autre collègue ou même à l'extérieur, qui peut faire déceler d'autres nodules, qui peut changer donc la stratégie, même si on avait pensé, proposé au patient un traitement, parce qu'on avait rencontré le patient, on lui avait expliqué, on représente le dossier du patient. Et là, l'expertise est essentielle, euh, même pour juger par exemple de la résécabilité, c'est-à-dire que le patient peut avoir plusieurs nodules au niveau du foie. Je dirais que la même situation peut être analysée de façon différente en différentes RCP. Alors avec dans ces cas-là une, une logique qui peut être défendue, parce qu'on change la stratégie, qui, mais avec une politique qui est toujours défendable entre guillemets. Mais des fois, si la RCP à la RCP, il n'y a pas l'expertise nécessaire euh, en termes de radiologie, en termes d'interprétation des images, en termes de traitement à proposer aux patients, je dirais que euh, le pronostic peut changer. Donc ça, je dirais déjà, c'est pour l'important, c'est la RCP qui est vraiment euh, quelque chose d'essentiel pour moi. Donc en d'autres termes, la, la RCP définit la stratégie thérapeutique, mais voilà. peut, de façon tactique, de temps à autre, modifier en fonction de l'expertise pointue nécessitée par tel ou tel geste ou tel ou tel traitement. Exactement. Et pour revenir à la situation de M. Bouchiki, euh, ce qu'il fallait faire, c'est s'assurer du caractère isolé, comme c'est son cas, de la métastase au niveau du foie, de ce nodule au niveau du foie. C'est pour ça qu'il avait eu un scanner et une IRM déjà au début, parce que l'IRM, on sait que c'est le meilleur examen pour étudier le foie en particulier. Et donc, il avait eu une chimiothérapie dont le but, comme disait Isabelle, était celui de surtout éventuellement détruire, tuer les cellules qu'on ne peut pas voir forcément sur le scanner et sur l'IRM, mais qui pourraient se développer après, dans un deuxième temps, lorsqu'il a déjà été opéré de son nodule hépatique. Et euh, à ce moment-là... Avec une réévaluation, on s'assure que le nodule est resté le seul, on sait où il est situé, et donc on a profité euh, de l'intervention faite sur le foie pour enlever ce nodule avec une marge de sécurité autour du nodule au niveau du foie, pour établir la continuité, c'est-à-dire pour remettre euh, son circuit en marche et pour fermer la poche, entre guillemets, c'est ce qu'on dit aux patients, c'est pour euh, fermer la, la stomie qu'il avait eue en urgence lorsqu'il avait fait l'épisode infectieux après la première intervention. On Et tout s'est bien passé pour temps. lui. Voilà, tout s'est bien passé pour lui. Par ailleurs, l'examen euh, histologique euh, de la pièce, c'est-à-dire du morceau du foie qui avait été enlevé en enlevant le nodule qui existait bien sur la pièce, a montré que ce nodule avait été complètement stérilisé par la chimiothérapie faite par les collègues oncologues. Voilà. Ce qui prouve bien que, dans finalement le, le parcours de soins que vous avez eu, de point de vue stratégique, on a dû agencer différentes techniques chirurgicales et différents temps chirurgicaux. D'autre part, il a fallu discuter de la nature de la chimiothérapie que vous deviez avoir, mais néanmoins, on ne pouvait pas se contenter du bon succès de la, du traitement complémentaire. Il fallait de toutes les façons aller réséquer le lit ou le séquelles de cette tumeur, tant mieux si on ne trouvait pas de cellules tumorales. Après, racontez-nous, après la suite de cette chirurgie du foie, qu'est-ce qui s'est passé après, euh... Vous vous souvenez plus, ça c'est seulement passé peu de choses que oui, vous vous souvenez Oui, non, <laughs> non enfin, j'ai continué à, à, très, à très bien suivi enfin, à, à, à l'hôpital Mondor. Et euh, j'ai eu euh, pendant les trois premières années, c'est-à-dire. Euh, de 2012 jusqu'à 2015, euh, une, euh, une visite. Et des examens de une suivi, visite, des oui. examens radiologiques oui. de suivi. Oui, une visite à l'hôpital Mondor tous les euh, trois mois. Exactement. Euh, pendant lesquels, enfin, lors ces visites-là, où j'avais bon rendez-vous avec euh, le professeur qui me suivait, avec euh, une euh, un TEP scan tous les six mois. Alors là, vous avez bon, effectivement, vous avez... Eu, euh, non seulement vous avez fait ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est-à-dire malgré la résection de la tumeur primitive, de la métastase, malheureusement pendant les deux années ou les trois années qui suivent, la résection euh, de, des tumeurs, en quelque sorte même si on a mis la pendule euh, à zéro, la tumeur peut récidiver, peut revenir. C'est pour ça qu'on vous examine tous les trois mois et on vous fait des examens complémentaires. D'ailleurs, vous avez bien voulu accepter de participer à un essai. De suivi, euh, en quelque sorte expérimental, avec un examen complémentaire qui n'était pas codifié, qui n'est pas codifié, et vous avez joué le jeu. Outre les examens habituels que nous faisons, vous avez accepté de faire un examen TEP scanner tous les six mois, dont on va rapporter les résultats donc, euh, en, en, en exclusivité, en primauté euh, au Congrès à américain dans quelques semaines. Et au bout de trois ans, on vous a dit maintenant. On est un peu rassuré, puisqu'on prend du recul par rapport à la période à haut risque de récidive, et vous êtes toujours suivi, mais avec un intervalle beaucoup plus... Voilà, c les, les trois premières années, c'était une fois tous les trois mois, et puis depuis 2015 à 2017, je suis suivi pour, avec un examen tous les six mois. D'accord. Et, euh, qui et à l'avenir, ça sera tout, une fois, tout, une voilà, fois par an. Voilà, et à partir de cette année, ce sera une fois par an que je viendrai vous voir avec plaisir. Il y a une surveillance endoscopique également, hein, c'est ça On vous fait des coloscopies j Oui, j'ai refait une coloscopie en 2000, 2010, 2014, hein, où là, c'est ça, bon, peut-être, vous allez en parler tout à l'heure en ce qui concerne la prévention, où on m'a découvert un, un polype qui a été enlevé. Euh, J'ai refait une autre coloscopie, une autre, euh, coloscopie oui, en, en récemment. 2017, récemment. Et là aussi, bon, on m'a enlevé un petit euh, un polype. Et à l'origine, bon, moi, je suis très satisfait parce que, bon, l'origine de, de ma maladie, on m'a dit que c'était un polype qui aurait eu, qui aurait évolué d'une manière euh, anarchique et qui aurait été le premier euh, indice ou, enfin, la première euh, euh, cause de l'occlusion que, que j'avais eue. Euh, Nous dernier. devons conclure que vous n'avez pas participé à l'action du dépistage qui est proposée à tout individu de plus de 50 ans. Vous mmh. aviez plus de 50 ans, mmh. mais vous n'avez jamais fait les, les, les tests de dépistage non. qui sont proposés, même si on n'a aucun symptôme, mmh. euh, sous forme d'un test dans les selles, hein, la recherche du sang mmh. occulte dans les selles. Ça, vous l'aviez pas fait, euh, alors que peut-être. En effet, on aurait pu détecter les polypes à un stade avant la dégénérescence vers le cancer. Au cours de la coloscopie, on aurait pu en faire l'ablation, comme on en a fait en 2014 oh. et en 2017, et ainsi éviter que vous arriviez en urgence avec les métastases. Effectivement, j'en suis persuadé maintenant. Et vous recommandez oui. cela à, vos, Puis, à votre pas entourage Pas seulement que je recommande, bon, mais mon expérience a incité certains de des gens qui sont dans mon entourage et qui, en, justement, était faire cette coloscopie de, de contrôle et préventive pour cette, dire, ce cas-là. Et j'en suis d'ailleurs bon, très satisfait de, de cet état qui fait que bon, mon exemple ou la situation par laquelle, difficile par laquelle je suis passé puisse servir à certaines personnes de mon entourage. Je vais dans votre sens, en effet, en France, malheureusement, il y a encore, chaque année, un peu plus de 40 000 nouveaux cas de cancer, dont on peut éviter d'abord la progression, l'apparition, en misant sur les tests de dépistage, tout un chacun à partir de 50 ans devrait faire un test de dépistage, a fortiori s'il y a des symptômes comme vous en aviez eu, c'est-à-dire du sang dans les selles ou des douleurs, aller voir son gastroentérologue ou son médecin généraliste pour planifier des examens dans le cadre de soins. Et on commence dans certaines régions du monde déjà à assister à la baisse de la prévalence de cancer du côlon grâce aux actions de dépistage. Il faut que plus de la moitié de la population participe à ces actions de dépistage. Mais avant de conclure, j'aimerais revenir vers euh, Dr Brunetti. Qu'est-ce que vous voyez comme perspective chirurgicale euh, on va dire, Pour dédramatiser un peu la situation de la chirurgie, parce que les gens ont toujours un peu peur de la chirurgie, surtout quand il s'agit du rectum. La première question qu'ils posent souvent les patients, lorsqu'on les voit, parce qu'on a diagnostiqué un cancer du colon, pas dans la même situation que M. Bouchiki, qui n'est pas en occlusion, avec un bilan d'extension négative, donc pour lequel on a décidé en RCP euh, de les opérer. La première question, on, la question qui revient le plus souvent en consultation, elle, a, elle concerne la crainte de la part du patient d'avoir ce qu'on appelle une poche, euh, surtout définitive. Alors, effectivement, cette poche, la colostomie l'anus artificiel, est relativement rare aujourd'hui, euh, lorsqu'on opère le patient de façon élective, c'est-à-dire froid. Elle n'est faite que euh, si le cancer concerne la partie très basse du rectum, donc elle concerne le sphincter, parce qu'il faut enlever le sphincter dans ces cas-là, et donc on ne peut pas garder la palette sphinctérienne, l'anus, voilà, euh, qui, qui nous permet effectivement d'être continent. Et une fois qu'on les a rassurés sur l'indication ou pas d'une colostomie, qui reste, comme je vous ai dit, très peu fréquente, euh, aujourd'hui la perspective, euh, mais depuis quelques années déjà, est la chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire l'apport à la chirurgie du colon, du cancer du colon et du rectum et d'autres sites, euh, justement dans la sérioscopie, qui est une chirurgie qui se fait de, par des petits orifices, par des petits trous. Euh, et aujourd'hui, par ailleurs, cette chirurgie est stéréoscopique et même assistée par ce qu'on appelle le robot, la chirurgie robotique, dont on a la chance effectivement de disposer à Mondor et à la PHP dans différents sites. Euh, cette chirurgie robotique a l'avantage d'offrir encore plus de, 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 de visibilité lors de l'intervention, parce que c'est une, une image tridimensionnelle. Avec une meilleure reconnaissance des structures anatomiques et probablement, il jouerait un rôle aussi dans la réhabilitation du patient. Ce qui compte, c'est pas seulement opérer le patient, mais si lui offrir aussi le maximum de chances de récupérer rapidement de sa chirurgie pour éventuellement euh, bénéficier d'une très belle vie après. Si effectivement, s'il n'y a pas d'indication de chimiothérapie ou s'il y a une indication de chimiothérapie, ne pas lui faire perdre justement la chance. D'en bénéficier à titre préventif, comme le disait Isabelle, parce qu'une complication post-opératoire ou une réhabilitation trop longue peut se traduire en cas de nécessité d'une chimiothérapie du retarder le traitement. Voilà, tarder le traitement, éventuellement même faire dépasser le délai maximal souhaité pour débuter une chimiothérapie. Donc en d'autres termes, vous rassurez les malades que maintenant la chirurgie a fait beaucoup de progrès, y compris dans le domaine de tumeurs du rectum. Bien sûr. bas situé proche de l'anus. Je reviens vers Isabelle. On a entendu beaucoup parler de de traitement à la carte euh, comme si finalement on ne proposait plus de traitements on va dire de général à tout le monde chaque tumeur du côlon a sa spécificité mais également de l'immunothérapie dans d'autres indications qu'en est-il dans le domaine du côlon alors effectivement, le traitement à la carte, c'est euh, très vendeur. Euh, on n'en est pas encore tout à fait là à se dire que pour un type de cancer, il y a un type de traitement. Euh, mais effectivement, dans les thérapies ciblées dont je parlais tout à l'heure, il euh, y a plusieurs familles, hein, je, je, je le disais. Et on, 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 pour certaines d'entre elles, en tout cas, on a besoin de savoir si la tumeur est porteuse ou pas de certaines cibles thérapeutiques. Donc ça, c'est aux au médecins de biologie moléculaire. Hein. Maintenant, la biologie moléculaire, elle a beaucoup, beaucoup d'importance dans le traitement du cancer. C'est aux médecins biologistes moléculaires de nous dire voilà, telle cible est présente sur le cancer, donc vous pouvez euh, proposer tel euh, traitement. Ça, c'est pour les thérapies ciblées, les anticorps dont je parlais euh, <coughs> tout à l'heure. Et puis, la voie euh, d'avenir, hein, parce que là, on voit que ça fait, un, ça fait beaucoup parler et ça a l'air d'être très intéressant, c'est ce qu'on appelle oui l'immunothérapie. Donc, l'immunothérapie, le concept, il est différent. L'immunothérapie, c'est juste un... un, un c'est juste, mais c'est beaucoup. C'est un traitement qui est censé euh, stimuler, en fait, euh, l'immunité du corps. Donc, en fait, c'est un traitement qui va... Euh, permettre au corps de se défendre, en fait, par ses propres moyens, finalement, de lui donner les moyens de se défendre. Euh, contre, contre le cancer. Donc c'est vraiment une piste euh, d'avenir. On a les, des essais thérapeutiques qui sont euh, très très euh, prometteurs. Il va nous falloir probablement encore quelques années pour que euh, ça fasse partie de nos traitements euh, vraiment euh, standards. Hein. Pour l'instant c'est essentiellement dans le cadre euh, d'essais thérapeutiques mais euh, c'est une voie vraiment d'avenir qui je pense va beaucoup changer le traitement du cancer et pas seulement le cancer digestif. Hein. Dans d'autres euh, cancers là c'est déjà, euh, déjà maintenant. Hein. Par exemple dans le mélanome on utilise déjà l'immunothérapie de façon... Euh, quotidienne hein, chez mes collègues dermatologues, mais euh, dans le cancer du côlon, ça va arriver dans très peu de temps. Enfin, en d'autres termes, le concept est très séduisant, c'est-à-dire, en gros, pourquoi le système immunitaire de l'organisme, alors qu'il est capable de reconnaître, par exemple, un virus ou une bactérie qui entrait dans le corps et nous défendre face à l'infection, pourquoi ce système ne se défendrait pas face à une cellule qui a tourné mal, qui est devenue cancéreuse En quelque sorte, c'est aider le système immunitaire pour ne pas tolérer la cellule tumorale, c'est vraiment l'avenir. Et comme vous disiez, pour le moment, elle est limité à un sous-groupe de cancers du colon et du rectum, pour lesquels on a des données, des évidences moléculaires et autres, que l'immunité est déjà en branle et on va aider cette immunité. Si je devais conclure finalement à travers votre histoire, M. Bouchiki, je retiendrai en fait trois messages. D'abord, le premier, c'est qu'il vaut mieux aller dépister. Si on avait fait le dépistage, peut-être on aurait pu éviter, à vous d'abord, tout, tout, ces, tout ce parcours et à la société, les dépenses sont mobilisées. Deuxièmement, même si on a loupé le temps de dépistage, les symptômes devraient alerter, aller voir et faire des examens. Plus tôt on détecte les tumeurs, mieux c'est et on mobilise moins de dépenses. Et troisièmement, malgré cela, si on a loupé ces deux premiers temps, c'est la réunion des expertises chirurgicales, oncologiques, radiologiques, anatopathologiques, moléculaires dans un groupe en fait de discussion qui permettent de prendre aujourd'hui une décision adaptée à chaque malade. Et je pense qu'on peut conclure sur ce mot d'espoir. Vous vouliez peut-être dire un mot pour. Euh... Oui, je, je voulais bon, insister sur euh, le dépistage qui, je pense, euh, ferait éviter à beaucoup de gens bon, des désagréments et des situations que, par lesquelles je suis passé. Et si bon malgré ça bon le problème est là. Il faudrait, euh, je pense, euh, un point peut-être qu'a souligné docteur Brunetti, euh, d'avoir confiance aux compétences qui existent chez nous et qui sont euh, parmi lesquelles, bon, qui sont là présentes et qui euh, arrivent à, à arrêter et à, à régler ce problème autant soit peu, hein, avec beaucoup de, de chance. Bon, j'en ai profité, moi. Je vous remercie de toute façon. Dr Brunetti? Moi, je trouve nom. parfaitement euh, la synthèse du patient, euh, finalement, est, est vraiment bien réussie. Et comme tu disais, euh, tu as résumé les éléments essentiels. C'est-à-dire, euh, beaucoup de cas, nouveaux cas de cancer du côlon et du rectum euh, tous les ans, euh, mais finalement, beaucoup d'espoir pour les patients. Et, et surtout, l'importance du dépistage, qui pourra encore, encore plus réduire euh, le nombre de, de cancers à, à diagnostiquer et à traiter. Isabelle un dernier mot bah, Pour finir, quand on voit M. Bouchi qui est en forme, on se dit qu'on fait tout ça pour rien et on est très heureux. C'est notre satisfaction. Il me reste à vous remercier pour nous avoir suivis sur ce plateau ABC Doc et à une prochaine émission. Au revoir.